Alléluia. Le Seigneur soit loué. Bonne aspiré. Prions le Seigneur. Tombe bonne. Seigneur notre Dieu, ce matin nous voici une fois de plus dans ta présence, en train de palper ton onction, Seigneur Jésus-Christ, et les fruits de ta présence, Père éternel. Et nous nous sentons mieux dans ta présence qu'ailleurs, tel que la Bible dit, un seul jour passé dans ta présence, c'est plus que 1000 ans passés ailleurs. Nous demandons, Seigneur, que ceci puisse être une occasion pour nous, ô Dieu, de pouvoir monter d'escalier, ô Dieu, jusqu'au sommet de cet escalier que Jacob avait vu. Que ce soit une occasion pour nous de monter, éternel Dieu notre Père, et de nous retrouver dans la présence du Dieu très haut, afin d'y sortir avec un changement, après que le chérubin aura pris une braise ardente pour purifier nos lèvres, non seulement nos lèvres, comme ce fut avec Esaïe, mais aussi nos oreilles, purifier nos cœurs même, Père, et nos vies tout entières. Ce matin, Père, puisses-tu être au rendez-vous et bénir ton peuple, Seigneur Jésus, à travers la parole. Écarte l'homme du chemin, parle à travers moi, que je sois un instrument entre ta main, afin que la gloire à la fin de tout te revienne au siècle siècle. Si quelqu'un est venu malade, je veux, Seigneur, qu'à travers la prédication de la parole, il soit guéri. Si quelqu'un est venu avec un problème, à travers la prédication de la parole, le dit avant cette prédication qu'elle ne se termine, Seigneur Jésus, que cette personne soit soulagée. Seigneur, en venant dans ta présence, nous pouvons apporter des fardeaux. Mais tu nous as dit, en venant dans ta présence, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous savons que tu es là, tu existes et que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Rends-nous forts, fais de nous des personnes solides, matures et des personnes fortes. Nous voulons que tu sois avec nous. Et Père éternel, tu puisses diriger chaque mouvement et contrôler chaque esprit ici. Sois le maître de toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Comme je l'avais déjà prédit, vienne kwa chaque sema mbele. Ce matin, on ne sera pas tous là. Yasubui, il sema bantu bote watakuyako. Donc, parce que c'est vraiment un peu un programme spécial. Dieu ni programme moja iko ya kipeke. Et ce sont les gens spéciaux qui peuvent être là. Na ni bantu ya kipeke tu njo wanapasha kuwa hapo. Ça, c'est pour le commando. Bien sûr que les autres peuvent venir, mais ça ne sera pas comme d'habitude. Et je le savais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout pour tout lire la parole. Ok, nous prenons Hébreux chapitre 11. Nous allons commencer au verset 17. Tanza kumustari wa 17. Hébreux chapitre 11 verset 17. Hébraniens sura ya 11 mustari wa 17. J'arrive jusqu'à 19 puis je saute, je lis 37 et 38. Tout à fait ka de 17 tunaruka tunasoma 13 na 8. Ceux qui sont déjà arrivés. Bale basha kufika. Nous allons pour la raison des compréhensions, lire le verset 1. Voilà, nous lisons le verset 1. Nous sommes Mustar wa kwanza. Et le verset 6. Avant d'aller à 17. Kabla kufika kumina saba. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Japo imani ni hakikisho kubwa ya vitu tunatumainia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Na kionyesho ya vile atuoni. Puis nous allons verset 6. Or sans la foi, japo pasipo imani, il est impossible de lui être agréable. Haiwezekani kumupendeza.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 17 jusqu'à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Ni kwa imani enyewe Ibrahim alitoa Isaac wakati alikuwa katika kipimo. Et qu'il offrit son fils unique. Na alitoa mwana wake wa kipekee. Lui qui avait reçu les promesses. Yeye mwenyewe alipata malako. À qui il avait été dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Na ni yeye aliambiliwa ya kwamba ndani ya Isaka kutapangwa kwako uzao fulani. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Alijua ya kwamba Mungu eko na uwezo hata ya kufufula wafu. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Na alipasha kumufunika kupitia ufufuko wa aina moja fulani. Il le recouvra. Et akamufunika. Voilà. D'autres subirent les moqueries. Wengine walipata bali alichekelewa. Et les fouets. Na fimbo. Je suis au verset 36. Mustari makumi tatu na sita. Les chaînes et la prison. Et ma mnyororo na magereza. 37. Ils furent lapidés. Walipigwa mawe. Sciés. Walikatwa. Torturés. Walifungwa. Ils moururent tués par l'épée. Walikufa na mupanga. Ils allèrent ça et là. Walienda huko na kule. Vêtus de peau de brebis. Banavala mangozi ya kondo. Les peaux de chèvre. Na mangozi ya mbuzi. Dénués de tout. Walizaraliwa kuote. Persécutés. Baliteswa. Maltraités. Balibatesa. Eux dont le monde n'était pas digne. Wenyewe awakona kwamba dunia na stahili. Errant dans les déserts et les montagnes. Baliangaika katika majangwa na milima. Dans les cavernes et les antres de la terre. Majiwe ya mamilima na chini ya udongo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa sainte. Mungu aongeze baraka yake katika usome neno lake. Nous avons abordé un thème le mercredi. Tulianza kishina kimoja siku ya tatu. Que nous avons intitulé la troisième main de l'épouse. Ile tulipanga mkono wa tatu wa bibi harusi. Et Frère Banham nous a dit que la troisième main de l'épouse c'est la foi. Mkono ya tatu ya bibi harusi ni imani. Et cette foi qui est la main peut saisir une clé. Na imani ile yekwa mkono inaweza kushika fungulo moja. Avant commencer par l'épée. Tulianza mbele na mpanga. On dit que la main de la foi saisit l'épée. Tunasema mkono wa imani nashika mpanga. Frère Manam dit elle tranche les démons. Ndugu pana nasema eko na kata mapepo mchafu. Tous les démons. Mapepo yote. Et c'est la parole de Dieu. Na ni neno ya Mungu. Lorsqu'une parole est prononcée. Wakati neno inanenwa. Lorsqu'une parole a été annoncée dans la Bible. Wakati neno litangaziwa ndani ya Biblia. Ou même par la bouche de Dieu qui est un prophète. Ao tena kupitia kinywa cha Mungu kenye kwa nabii. Eh bien, cette parole-là, pour qu'elle s'accomplisse dans votre vie, il vous faut une main. Ile muneno, ili ipate kutimilika maisha yako, inakubidi kuwa na mkono. Et la main, c'est aussi le signe de l'action, de l'œuvre. Mkono ni alama ya tendo. Parce que vous avez, quand vous allez dans Apocalypse chapitre 13, juka mwenda katika Ufunuo sura ya 13, vous allez vous rendre compte que là-bas, on parle de du sceau sur le front et du sceau sur la main. Na hapo mtaona kwamba wanasemea juu ya muhuri pakipuma na muhuri kumikono. Et Frère Banham expliquant que le sceau sur la main c'était les œuvres. Na ndugu Branham anafasiria kusema muhuri pa mkono ilikuwa ni matendo. C'est la pratique. Ni kutumikisha. C'est là que nous comprenons l'importance d'une main dans la vie de l'homme. Na ndio pale tunaelewa maana ya mkono maisha ya mtu. Dieu a donné à l'homme, à chaque homme sur la terre, homme ou femme, deux mains. Mungu alipatia kila mtu kwa dunia akuwe mwanamke au mwanaume alimpatia mkono mmoja. Ce sont ces deux mains là qui lui permettent de saisir les choses, de manipuler les choses. Na ile mikono mbili iko namsaidia kubamba vitu na kubibamba kubitingiza kubi de déplacer les choses. Na kutosha vitu, de les faire bouger, kubitingiza, de travailler avec les mains. Na kutumika na mikono. Donc c'est le travail. Ni kazi. Donc la main c'est ce qui agit. Mukono ndio iliko natenda. La main fait beaucoup de choses. Mukono iko nafanya vitu vya mingi. Tu ne peux pas faire quelque chose
le mouvement moteur sans utiliser la main. Awezi kufanya kitu kia nguvu bila kutumikisha mkono. Pour te laver, il faut les mains. Juu ya kunawa inabidi kumkono. Pour te appliquer le lait de beauté, il faut la main. Juu ya kujipaka mafuta inabidi mkono. Pour s'hydrater, il faut la main. Juu ya kujikuna inabidi mkono. Pour se peigner, il faut la main. Juu ya kujichanua inabidi mkono. Pour essuyer les larmes, il faut la main. Juu ya kupanguza machozi inabidi mkono. Pour brosser, il faut la main. Juu ya kuosha meno inabidi mkono. Pour chaussures, il faut les mains. Pour s'habiller, il faut les mains. Pour repasser, il faut les mains. Pour nettoyer la maison, il faut les mains. Pour repousser, il faut les mains. Donc la main intervient en tout. Parce que la main, c'est le signe de l'œuvre de l'action. Et frère Branham nous dit, la parole reste telle qu'elle, comme étant une épée, jusqu'à ce que la main de la foi vienne prendre cette épée pour la manipuler. Et quand on commence à faire allusion à une épée, ça sous-entend une guerre, ça sous-entend une bataille. Et quand nous vivons sur cette terre, nous sommes constamment dans une bataille. Et la plus grande bataille jamais livrée. Frère Branham me dit, ça se passe dans l'esprit de l'homme. Et pour manipuler l'épée, il faut la foi. Il faut la main de la foi. Lorsque le diable vient avec des idées, des pensées, comme il l'avait fait avec Jésus, c'est alors que vous utilisez la main de la foi pour saisir l'épée de la parole. Donc, la parole de Dieu, sans la foi, elle reste une lettre morte. Il faut la foi. Donc vous pouvez prononcer même le nom de Jésus. Et nous avons ajouté que en fait la main de la foi saisit aussi la verge. Il dit que la verge qui était entre la main de Moïse, c'était le symbole du nom de Jésus aujourd'hui. Et cette verge là, si seulement Pharaon réussissait à ravir la verge, il allait vaincre Moïse. Alléluia. Alléluia. Et frère Branham me dit, si seulement le diable réussit à ravir le nom de Jésus à l'église, il va vaincre l'église. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que vous pouvez citer le nom de Jésus. Si vous n'avez pas la foi dans le nom de Jésus, en le citant, vous avez la peur à la place de la foi, le nom de Jésus ne sera d'aucune utilité. Alléluia. Alléluia. Il faut la foi. Quand vous prononcez le nom de Jésus, vous savez que ce nom-là, la première fois qu'il a été prononcé, il a produit une résurrection. Vous êtes avec moi. Vous dites amen à ça. Et quand vous y allez avec la foi, vous pouvez juger les choses et les démons. Parce que c'était la verge du jugement de Dieu entre les mains de Moïse qui a provoqué, qui a frappé l'Égypte avec des fléaux. Parce que c'était la verge du jugement de Dieu entre les mains de Moïse qui a provoqué, et nous avons dit aussi que la main de la foi peut saisir aussi la clé. Vous dites amen à ça? Peut saisir la clé. Il y a beaucoup de clés. Il y a la clé de la science. Il y a la clé de la mathématique. Il y a la clé de ceci, la clé de cela. Et nous avons dit que nous allons obtenir la clé pour ouvrir le succès. Nous avons fait ça, nous avons ouvert beaucoup de portes. Et
je crois que beaucoup de portes sont déjà ouvertes. Na wazia kusema milango ya mingi ishafunguka. Ulita amen. Munasema amina. Voilà, j'aurais dû continuer avec la même pensée. Nilipasa kuendelea na wazo moja moja. Mais je vais prendre toujours la troisième main de l'homme. Tabeba paka mukono ya tatu ya mtu. Je vais sauter un peu certaines choses. Tahuka kubitu bingine. On viendra peut-être y revenir le mercredi. Tutakia kurudilia kwa siku ya tatu. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Et ce matin, na hii asubuhi, j'aimerais parler sur une petite pensée toujours dans la troisième main de l'homme. Nilita kuongeza wazo moja kwa juu paka tu pa mawazo pa juu ya mkono ya tatu ya mtu. C'est un commandement, c'est un ordre. Ni amri ni agizo. Que Frère Branham nous donne. Enye ndugu Branham atupatia. Quitter la mollesse du nid mondain. Mutoke muregevu ya dunia. Le nid. Chicha, oui. Mutoke muregevu ya chicha ya dunia. Chicha kondi la c'est du sois. Le nid. Voilà. Quitter la mollesse du nid mondain. Mutoke muregevu ya chicha ya dunia. Quittez cette mollesse. Abandonnez la mollesse. En fait, quand on parle de la mollesse, il y a quelque chose qui est mou. Quelque chose qui est mou, qui est. Donc c'est mou là. Ça appuyé comme ça. Il n'y a pas la colonne vertébrale à l'intérieur. C'est sur ça que je me suis senti poussé à parler ce matin. Dans quelques minutes. Parce que j'ai encore une autre prédication. Frère Branham dit, dans la prédication, les œuvres sont la foi exprimée. Prêché le 26 novembre 65. Au paragraphe 212. Avant de lire ça, j'aimerais un peu lire quelque chose. Pour répondre à une question. Être persévérant, paragraphe 70. Ubeti makumi saba. Bravana me dit. Nduko bravana na sema. Certains iront à l'église. Bantu bengine batenda mukanisa. Et s'assieront dans la réunion. Na bataikala mumaibada. Si vous dites une chose qu'ils ne croyaient pas. Kama unasema kintu kila baamini. Ils diront. Batasema. Je vais sortir d'ici sans tarder. Tatoka hapa bila kukawa. Vous n'avez pas la simple politesse. Auna ata na adabu kidogo. Dites amen à ça. Sema amina paile. L'impolitesse. Ukosa kwa adabu. C'est le contraire de la politesse. Ni kinyume ya kuwa na adabu. Celui qui est poli. Ule mwenye kuwa na adabu. Il est le contraire de celui qui est impoli. Anachana ule mwenyewe ana na adabu. Et celui qui n'a pas la politesse. Na ule mwenyewe ana na adabu. Donc, c'est juste. Donc, celui qui n'a pas la politesse, on l'appelle impoli. C'est ça. Ule mwenyewe ana na adabu, banamuitaka mukosa adabu. C'est ça. Jovine. Alors, madame dit. Vous n'avez même pas la simple politesse. Auna ata na adabu kidogo. C'est juste une phrase qui est devenue longue. Ni mais ça dit, vous êtes impoli. C'est ce que ça dit. Inasemea tu akusema auna na adabu. La présence de Dieu non reconnue. Uwepo ya Mungu yasipo kujulikana. Paragraphe 166. Ubeti mia moja makumi sita na sita. La plupart des gens viendront, s'assieront peut-être 5 minutes. Bantu mamingi watakuya banekala tu dakika tano. Peut-être 25. Ao dakika makumi mbili na tano. Aussitôt que l'évangéliste ou quelqu'un d'autre dit quelque chose qui est contraire à ce qu'elle pense. Wakati nye mupasha injili au mutu mwingine eko nasema kitu kile kenye bo abawabana. Oh, il m'a prêché. Oh frère, tellement m'a prêché. Ça, ce qu'il a prêché là, c'est moi. En tout cas, ça, il ne m'a pas beaucoup dérangé. Oh, bina en plein culte. Katikati ya ibada.
Frère Benoît me dit, dès qu'on dit quelque chose de contraire à ce qu'elle pense, ce que son credo dit, parce que tu as déjà son, ton propre credo, ils sortent. Frère Benoît me dit, voyez-vous, Munaona? Pas même la politesse. Hakuna tadabu. Toutes les deux citations parlent de la même chose. Hein? Sortir kutoka pendant qu'on prêche. Wakati beko na ubiri, vous n'avez pas la politesse. Auna na adabu. En bref, mukifupi, vous êtes impoli. Uko mukosa adabu. C'est ça en bref. Njo mukifupi. Oh, tel ministre, moi je l'aime pas quand il prêche. Oh, mon ubiri fulani, mi si pendeke wakati kona ubiri. Dès qu'il passe à la chair, wakati na pita kumimbari, la fois passée, il m'avait prêché. Il est mara, il est allé niubiriaka. Il va encore me prêcher aujourd'hui. Tu sors. Parce qu'il a dit quelque chose que tu n'aimes pas. Dieu a laissé ma quitte. Il est contraire à ton credo. Et nous, il n'a rien à qui le hausse que Dieu. Tu es où quoi? Ah voilà. Tu n'as pas la politesse. Auna na adabu. Ok, on peut maintenant continuer. Tu n'as pas kuendelea? C'était pour répondre à la question. Il est quoi déjà kujibu kuswali? Est-ce que nous sommes ensemble? Et tu te pamoja? Ok. Frère Jean-Claude. Un double Jean-Claude. Voilà, très bien. Que Dieu vous bénisse. Munga kariki. C'est bien capté, hein? Inaba binengia. Maintenant, nous allons évoluer avec notre problème. Sasa tutasonga na mambo yetu. Nous lisons ici. Frère Branham dit, remarquez, Mouane, Jésus a dit, yes, c'est la citation que j'ai donnée, j'ai déjà donné la référence. Les œuvres sont la foi exprimée. 212. Jésus a dit, yes, croyez seulement, amen et tout, car tout est possible. À ceux qui croient. Frère Manemini, ça c'est Frère Manemini qui parle. La foi et les œuvres sont mari et femme. Imani na matendo ni bibi na bwana. C'est pourquoi même son thème là est intitulé les œuvres sont la foi exprimée. Alipanga matendo ni imani ni konekana. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, mutam kwengine, la foi imani s'exprime par les œuvres. Inaonekanaka kupitia matendo. Parce que moi je ne vois pas ta foi. Du mie sioni imani yako. Pour que je voie ta foi. Du nione imani yako. Il faut que je voie les œuvres de ta foi. Inabidi nione matendo ya imani yako. Là je veux dire, pale nitasema, cette personne a la foi. Huyo mtu yako na imani. Cette personne croit. Huyo mtu anaamini. C'est le débat qu'il y avait entre Paul et Jacques. John, ma uzungumuzo ilikuwa katikati ya Paulo na Yakobo. L'un disait, moja ilikuwa anasema, il faut avoir la foi. Inabidi kuwa na imani. Abraham fut justifié par la foi. Ibrahim alihakikishiwa alipatiwa haki kwa imani. Sera lui fut imputé en justice. Na akampatia akakuwa bila kosa. Ce ne sont pas les œuvres qui comptent. Aina matendo kunahesabika. Et l'autre disait, na mwingine alikuwa anasema, non, hapana. Il faut les œuvres. Inabidi matendo. Montre-moi les œuvres. Munyoneshe matendo. Alors je comprendrai que tu as la foi. Na mimi nitaelewa kama uko na imani. Et certains sont venus pour dire, les deux sont en train de se contredire. Paul dit que c'est, l'homme est justifié par la foi. Jacques lui il vient dire que l'homme est justifié par les airs. Alors il se contredit. Frère Branham vient maintenant avec la colonne de feu pour interpréter ça. Parce que la Bible a été écrite par la colonne de feu. Il dit, ce n'est pas que ces deux-là se contredisent. Pas du tout. Seulement, Paul lui parlait de ce que Dieu voit dans l'homme. Paulo yeye alikuwa anasema kile kenyewe Mungu anaona ndani ya mtu. Mais l'autre parlait de ce que l'homme voit dans l'homme. Na mwingine alikuwa anasemea ya kile kenyewe mtu anaona ndani ya mtu. Parce que ta foi, c'est Dieu qui la voit. Tu imani yako ni Mungu ndiye anaiona. Mais
revient à la foi. L'homme, lui, il te justifie par les œuvres. Nous devons voir les œuvres de Dieu. Parce que tu vis parmi les hommes. Ta foi doit faire des preuves. Maintenant, revenons à la lecture que nous avons faite. On commence par Abraham. Regardez ce qui se passe ici. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, tu seras père des nations. Utakuwa baba wa mataifa. Tu vas avoir, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux compter? Regarde un peu à l'air là. Kizazi kiako itakuwa sawa vile manyota ya anga. Est-ce que tu n'osa kuhesabia manyota ya juu? Regarde dans le ciel. Abraham anangalia yulu. Il ne sait même pas compter les étoiles. Ajui kuhesabia manyota. Est-ce que quelqu'un peut compter les étoiles? Upo mtu anaweza kuhesabia manyota? Alors Dieu lui dit, sasa Mungu anamwambia, ta postérité sera comme les étoiles que tu vois là. Itakuwa sawa vile manyota mko naona. Ça veut dire qu'il sera nombreux. Il sera nombreux. Itakuwa kwa mingi ile kizazi kiao kitokea bantu wa mingi. Et pourtant, pendant que Dieu parlait, à cette période-là, Abraham était en train de vieillir. Abraham, 100 ans. Abraham, miaka mia moja. Sa femme, 90 ans. Bibi yake alikuwa na miaka makumi kenda. Dieu vient encore à cette époque pour renouveler la promesse. Mungu anakuja tena ile wakati juu ya kuleta upya ile malako. Ils ont attendu. Banachunga. Ils avaient attendu. Banachunga. Ils avaient attendu. Banachunga. Frère Banabe dit, ndugu bwana anasema, plus le temps passait, zaidi wakati ilikuwa inapita, plus leur foi augmentait. Zaidi imani yao ilikuwa inaongezeka. Et il faisait encore plus confiance en Dieu. Na zaidi balikuwa natumainia Mungu. Jusqu'au jour où la promesse s'est accomplie. Malako litimilika. Après une longue période de souffrance et d'attente. Kisha wakati mrefu ya mateso na kuchunga. Tout comme quelqu'un parmi vous ici. Savi le mutu moja katikati yenu hapa. Après avoir longtemps attendu. Kisha ya kuchunga sana. Attendu. Kuchunga. Attendu. Kuchunga. Il a souffert. Anateswa. Il cherche du travail. Anatafuta kazi. Il ne le trouve pas. Aipati. Les enfants et la femme passent nuit dehors. Batoto na bibi beko na lala inje. Et vous êtes dans des difficultés inexplicables. Muko mu magumu ya nguvu. Vous cherchez un petit boulot. Uko anatafuta kazi kaloko. Et vous ne le trouvez pas. Aupapati. À un moment donné, mwakati moja, Dieu vient visiter Abraham. Mungu anataka kutembelea Abraham. Il lui donne un enfant. Anampatia mtoto. Du nom d'Isaac. Jina yake ilikuwa ni Isaka. Isaac commence à grandir. Isaka anaanza kukomea. Il était content. Alikuwa na furaha. Il était vraiment, il aimait tellement cet enfant. Alimupenda sana ule mtoto. Il l'aimait beaucoup. Alimupenda sana. Amen. Amen. Et à un certain jour, ça s'assit kwingine. Abraham se lève. Abraham analamuka. Peut-être c'était la nuit. Ça s'ingine ilikuwa ni bushiku. Peut-être c'était le jour, je ne sais pas. Awe ilikuwa ni muyua, sijui. Il entend la voix qui lui a toujours parlé. Anasikia sauti inasemaka naye. Dieu lui dit. Mungu anamwambia. Abraham. Abraham. L'enfant que je t'ai donné là. Huyu mtoto mimi nakupatia. Pour montrer que tu m'aimes. Juu ya kuonesha kama unanipenda. Tu dois le tuer. Unapasha kumuua. Va sur la montagne que je vais te montrer. Wende kumulima kule nitakuonesha. Tu vas prendre le couteau. Utabeba kisu. Et gorger cet enfant. Umukate kichwa ule mtoto. Si tu m'aimes. Kama unanipenda. Ça, la Bible dit. Ile Biblia inasema. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ni kwa imani yenye Abraham alimutoa Isaac. Vous allez comprendre que la foi et les œuvres sont mari et femme. Na muta elewa pala kusema matendo na imani ni bibi na bwana. C'est par la foi. Ni kwa imani qu'Abraham offrit. Enyewe Abraham alitoa. Ne soyez pas pressés à vous réjouir. Mushi kwa haraka kufurahi. Parce que nous ici, nous ne sommes pas des théoriciens. Nous sommes des pratiquants.
Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils là. Et ici, Abraham n'avait pas de Bible pour lire. Nous avons la Bible. Et nous savons qu'il y a certaines choses qui arrivent parce que Dieu veut nous éprouver. Mais Abraham, c'est seulement Dieu qui lui parle. Il n'a pas lu quelque part. Il n'a pas entendu parler quelque part. Ça, c'est dans le livre de la Genèse. Abraham, qui venait de Ur, là où son père, Nakor, venait de Babylone. De Babel. Là où il y avait des idoles. C'est de là que venait l'idolâtrie. Ils sont allés s'installer là dans la contrée dure. Et ils étaient habitués à des idoles. Mais une voix inconnue vient parler à Abraham, un Dieu inconnu. Il ne se voit même pas. Il dit à Abraham, quitte ici pour me suivre moi. Abraham n'avait jamais lu quelque part au sujet de ça. Abraham fait l'œuvre. Abraham a kafanya le tendo. Il utilise sa main. Akatumikisha mkono wake. La main de la foi. Mkono wa imani. Il croit. Anaamini. Et il exécute. Na anatumikisha. Amen. Et ici, na hapa, Dieu vient dire à Abraham. Mungu anataka kumwambia Abraham. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous pouvez vraiment comprendre la portée de la chose. Mimi sijui kama mtaweza kuelewa kibunene wa kitu. Toi tu es venu me prendre là où j'étais. J'étais prospère. Je faisais mes choses normalement. J'adorais les idoles. Tu m'as dit tu dois quitter les idoles. Tu dois sortir des dénominations. Tu dois sortir du monde. Pour être à l'écart. J'ai pris mon frère Lot. Nous avons commencé la marche ensemble. Arrivé quelque part, tu me dis encore de me séparer. Tout ça, ça ne fait que me faire mal. C'est toujours des douleurs. Arrivé ici, ma femme devient stérile. Je ne mets plus au monde. À ceux qui pensent que le fait de croire la parole, ça vous garantit, ça vous donne tout ce que, et tout ça, vous entrez dans les paradis terrestres. Les chemins qui mènent vers la cité céleste, c'est celui qu'Abraham a suivi. Dieu commence à éprouver Abraham. Mais est-ce que Dieu manquait de la force pour donner à Abraham l'enfant dès qu'il avait cru au message? Mais pourquoi Dieu l'a laissé pendant 25 ans sans lui donner l'enfant, lui faisant seulement des promesses? Parce que Dieu voulait tailler le caractère de la patience en Abraham. Dieu Mungu alipenda kuchora tabia ya uvumilivu ndani ya Abraham. Soyez très attentifs, ça c'est un autre aspect de la troisième main. Hii ni nani namna ingine ya mkono ya tatu. Donc la foi ce n'est pas seulement imani inatupaka. Quand vous dites, wakati unasema je vais avoir $5000. Napenda kupata $5000. $5 $5 en angu. Oh, j'ai la foi. La foi, ce n'est pas seulement imani na tu. Quand tu es malade. Wakati tuko mgonjwa. Nom de Jésus. Chasse. Il n'a maladie pas. Angonjwa nene. Sur place. Agapal.
imani. Tu vois? Unaona? J'ai la foi. Niko na imani. Maintenant, quand tu pries, sasa wakati uko naomba, pour une maladie, juu ya magonjwa, elle ne part pas. Aiendi. Et tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital. Na hauna na makuta ya kwenda kwa hospitali. Tu pries. Unaomba. Tu pries. Unaomba. Tu pries. Unaomba. Tu pries. Unaomba. Elle ne part pas. Aiendi. La maladie ne fait pas partir. Magonjwa haipendi kwenda. C'est là qu'on doit voir la troisième main aussi. Jo pale tunapasa kuwa na mkono wa tatu. Amen. Amina. Parce que là, du palais, beaucoup de gens pensent que les épreuves, c'est seulement souffrir, manquer à manger. Bantu bana wazia tu yoksema bipimo, nukuteswa, ukosa chakula. Non. Bana. Ce n'est pas seulement ça. Aina tu pa kaile. Ça aussi, ça y est. Na yo iku katikati yayo. On va toucher à ça. Tutagusa akule. Mais les épreuves. Lakini majaribu. Ce n'est pas seulement manquer à manger, souffrir, être affamé. Aina tu kukosa biakuria kuteso kwa njala. Manquer le matériel. Kukosa bintu. Ce n'est pas seulement ça. Aina tu njo ile. Les épreuves. Ma bipimo. Comme ça vient pour, avec objectif de forger un caractère en vous. Vile biko na kuya juu ya kujenga tabia mwa ndani yako. Il y a aussi des épreuves pour éprouver votre humilité. Kuko bipimo bingine juu ya kujua kama uko na unyenyekevu. Je ne sais pas si ça pénètre bien. Chiruka biko na ingia. Il y a aussi des épreuves pour éprouver votre tempérance. Na kuko bipimo bingine juu ya kujua kama uko na kinabuza kizuizi. Il y a aussi des épreuves pour éprouver votre patience. Que quelqu'un dise amen. 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 C'est-à-dire, tu te trouves devant une occasion de donner des coups à quelqu'un, par exemple. Mais tu manques cette occasion-là. Tu refuses. Unakatala. Et tu dis. Na unasema, ça c'est une épreuve. Ni majaribu. Parce que beaucoup de gens disent. Bantu wa mibu unasema, Ces derniers temps je manque même à manger. Vraiment, ça c'est Dieu qui me prouve. C'est une épreuve. Il a manqué à manger. Il sort seulement quelque part là. Il trouve une occasion de donner des coups à quelqu'un. Il donne des coups. Il se bat et il injurie. Il m'avait tapé l'homme là. Je l'ai aussi civilisé. Je suis dans les épreuves, frère. Je souffre comme je souffre. Je suis dans les épreuves, frère. Tu as raté une autre épreuve. Épreuve, ça veut dire examen. Kipimo inamaanisha mashindano. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inakuya mukile kitu nasikia. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous venons à l'église. Nous écoutons la parole. Pour obtenir la foi. C'est comme nous sommes en train d'étudier à l'école. Mais le temps des examens. C'est là que vous prouvez votre connaissance que vous avez obtenue pendant que vous étiez en train d'apprendre. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Et Dieu dit à Abraham. Na Mungu anamwambia Abraham. Cet enfant que tu as attendu longtemps là. Uyu mtoto mwenye unachunga wakati mrefu. Tu dois le tuer. Unapaswa kumuua. Pour me prouver que tu m'aimes. Juu ya kuonesha kama unanipenda. Ce petit travail que tu as beaucoup attendu là. Kale kakaji kaloko kenye ushakuchunga sana. Akakupatia hata mkuu tenye ya usong. Ça ne te donne même pas l'argent d'un song. Keka loko. C'est peu. Tu as souffert, tu montais, tu descendais. Même la nourriture à la maison. Unapanda, unashuka. Les habits. Hata chakula kwa
Après tout ça, on aura pas ta occupation. Tu viens de trouver une petite occupation. Maintenant cette occupation là. Maintenant cette petite occupation là. Ça t'oblige. Il n'a qu'au surutisha. De t'absenter à l'église le mercredi. Où l'on fait mon canisa, chiku ya tatu. Le vendredi. Chiku ya tano. Et le dimanche de venir en retard. Na chiku ya mungu nyewe unakuya saa kupita. Et maintenant tu vas dire au pasteur. Là ça t'amandia pasteur. 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 Faut comprendre. Unishikie, unielewe. Frère, je ne suis plus. Vous savez, hier j'étais en train de parler à une équipe ici. Je disais. Tiens, les gars, c'est une équipe je suis vraiment révolté. Je ne supporte plus d'entendre les raisons. Si peut-être que vous m'aimez, que ce qui est ma sababu. Des raisons. Ma sababu. Donc, des gens qui sont mous. Bantu benyewe beko bakuchoka. Mou. Juste une petite épreuve. Vous voyez quelqu'un qui cède. On en a monté en anguka. La plupart des gens. Bantu ba mingi. Laissez-moi le dire. Atini miambie. Ils sont fidèles à l'œuvre de Dieu. Beko na jitoa mukazi ya Mungu. Et à la parole de Dieu, na kuneno ya Mungu, à l'église, mukanisa, c'est quand ils ont peut-être une fonction dans l'église. Enijou beko na kakazi mukanisa. Dès qu'il quitte cette fonction là, kama tu anache le kazi ya mukanisa, c'est fini. Je m'étends pour faire une nouvelle église. Unaisha, qu'est-ce que j'irai faire à l'église? Il va commencer à aller à l'église, bon. Dans un coin de tout. Mais quand vous rebobinez la bande. Lakini kama unarudilia mawazo yako. C'est qui conseillait les gens quand il était là parce qu'il était dans la veste, dans les costumes de serviteur de Dieu. Yeye alikuwa anashauri abantu bengine juu alikuwa shavala en coach ya mtumishi ya Mungu. Il faut être d'abord chrétien avant d'être serviteur de Dieu. Inabidi kuwa mchristo mbele akuwa mtumishi wa Mungu. Amen. Quittez cette mollesse là. Mwache bure buregevu. Cette mollesse là, ça vous tue. Pourquoi être mou comme ça? Je ne crois qu'on regarde à ville. Une petite épreuve. Mais vous parlez de Shadrach, Meshach, Abednego. Qui sont allés jusqu'à la fournaise. Moi je crois qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être à mesure de donner sa tête à couper pour ce qui est de son salut. Parce on ne vient pas à l'église pour la raison de se rassembler. On vient à l'église parce qu'on attend la venue du Seigneur. Et c'est pour votre salut. As-tu déjà compris combien d'examens tu as échoué? Est-ce que tu as déjà compris à combien d'examens tu as échoué? Et comment tu vas passer d'une classe à une autre? Comment tu vas obtenir un diplôme? Parce que même ce que les hommes ont fait là, ils ont copié ça quelque part. Les lois que nous avons aujourd'hui. La constitution. Sharia ya inchi. Ça a été copié dans la Bible. Anaitosha mu Biblia. Toutes les constitutions du monde. Ma sharia ma inchi yote a été copié dans les Pentateuques. Balibeba yote ma sharia tano ya gano la kale. Dans la Bible. Dans la Biblia. Les classes. Ma somo. Quelqu'un qui quitte une classe vraiment. Première. Somo ya kwanza. Deuxième. Somo ya pili. Troisième. Somo ya tatu. Jusqu'à ce qu'il arrive. Bana penya tafika. Au niveau où. On lui donne le certificat. Le premier diplôme. Diplôme yake ya kwanza. Une attestation. Bana inyakikisho. Il commence le deuxième niveau. Anaanza ki atua ya pili. Secondaire. Anaanza secondaire. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Jusqu'à ce qu'il obtienne le diplôme d'état. Bana penya tapata diplôme d'état. Ou le bac.
il quitte là-bas, il monte à l'université. Il commence à monter. Premier graduat. Deuxième. Troisième. Troisième graduat. Et il obtient le graduat. Il monte la licence. C'est comme ça que Dieu fait. Et l'examen de Dieu. La leçon de Dieu. Ce n'est pas l'année passe, tout le monde passe. Si vous n'avez pas compris la leçon que Dieu vous a donnée, vous ne passez pas de classe. Je vous répète. Si vous n'avez pas encore, Dieu constate que vous n'avez pas encore réussi à son examen, il va changer encore d'examen. Mais l'examen là, son examen aura toujours pour objectif la même qualité qu'il voulait qu'elle soit en vie. Et dans le programme scolaire de Dieu, il y a beaucoup de cours. La vertu, c'est tout un cours. Combien de pourcentages vous avez eu dans le cours de la vertu? Combien de pourcentages vous avez eu dans les cours de la patience? La patience, c'est la longueur du temps. Votre patient. Si Dieu nous donnait des choses à la même minute que nous les lui demandons, on ne pouvait pas être patient. Mais Dieu lui-même est le premier patient. Alléluia. 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 Il a fait tout un programme de 2000 ans. Alifanya mpango ya miaka 1000 pour l'église. Juu ya kanisa. Tout un programme, tout un plan. Mpango hapo mzima. Il a tracé un calendrier. Aliweka calendrier. Et il a placé 7 étoiles dans sa main. Na aliweka manyota 7 mikono yake. Il a tracé tout un programme d'action. Alipanga mpango wote mzima ya matendo. 7 étoiles. Matendo sa manyota 7. Il faut bien la mettre à sa place. Et ino inyota inabidi kuweka mafashi yake. Paul va aller dans l'âge d'Éphèse. Paulo atenda mukizazi kya Éphèse. Irénée va aller dans l'âge de Smyrne. Et Irénée atenda mukizazi kya Smyrne. Colomba va aller dans Pergame. Colomba atenda mu Pergame. Il classe, il arrive à la fin, il dit Laodicée, il faut William Branham. Anapanga Laodicée inabidi William Branham. Dans l'âge de Paul, ça sera la foi. Kizazi kya Paulo itakuwa ni imani. Irénée la vertu. Irénée itakuwa ni nguvu. Colomba la connaissance. Colomba ujuzi. La tempérance. Na kizuizi. La science. Uvumilivu. La piété. Utawa. Et l'affection fraternelle. Na mapendo ya kindugu. Avec William Branham. Pamoja na William Branham. Cet âge. Ikizazi. Va prendre autant de temps. Celui-ci va prendre, va quitter de 53 à 173. Cet âge va quitter de 173 à je ne sais pas combien. Celui-ci va commencer de 1906 jusqu'à. Et pour la date, je ne la révèle pas. D'ailleurs, la minute, je ne révèle pas. Ça reste dans mon plan. Mais moi-même, je connais. Il est patient. Il y a un poète qui a chanté. Il dit, anasema, la distance qui séparait Éphèse à Patmos. Burefu bwa makilomètre nyé likuwa katikati ya Éphèse na Patmos. C'était de 50 km. Ilikuwa ya kilomètre 50. Et 50 c'est le jubilé. Na ile 50 ni jubilé. Et Jean le divin a quitté Éphèse vers Patmos. Na Yohani wa kimungu alitoka ku Éphèse alienda ku Patmos. C'est alors qu'il a reçu la vision du Seigneur Jésus. Il a reçu la vision globale de l'Apocalypse. Et il dit, nous aussi,
tout comme Jean, Sabine Yohani, nous avons chacun ses 50 km à parcourir. Jésus obtiendra une couronne. Yesu atapata taji. Mais avant qu'il obtienne une couronne, ses 50 km à parcourir, il est 50 km à ce sont les 7 âges de l'église. Et je trouve ça très bon. Très merveilleux. Et vous chrétiens, vous avez vos 50 km à parcourir. Patientez, ne contournez pas la procédure. La patience. Et comment Dieu éprouve-t-il la patience? C'est en vous faisant attendre avant de vous donner une bénédiction. C'est ça. Je ne vois pas un autre moyen. Comment Dieu peut-il vous donner l'examen de la tempérance? Comment? C'est en vous envoyant quelqu'un qui peut vous énerver facilement. Ça, c'est l'examen. C'est la patience. La foi. Na imani. Et les œuvres. Na matendo. Son mari et femme. Ni bibi na bwana. Vous dites amen à ça. Et vous savez que le mari et sa femme sont un. Munajua kusema bibi na bwana ni kitu kimoya. 1 plus 1 égale 1. Moya kuongeza moya inaleta moya. La Bible dit. Biblia inasema. Il pensait que aliwazia kusema Dieu est puissant. Mungu eko na uwezo Abraham. Même pour ressusciter les morts. Atajia kufufula bafu. Ainsi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Naivi akamufinika kwa ait. Akamupatatena. Il a recouvré ce qui lui appartenait. Donc il a recouvré. Ok. Kisha akamupatatena munamuna ya ufufuko. Voilà. Une sorte de résurrection. Aina moja ya ufufuko. 36. Makumi tatu na sita. Ça, c'est la liste de la foi. Iyi ni mustari ya imani. Et nous avons sauté. Na tunaruka. De 19, nous sommes à 36. Tunatoka kumi na kenda, tunaenda makumi tatu na sita. C'est toujours par la foi. Ni paka kwa imani. Écoutez ce qui s'est passé par la foi. Sikia kile kilipita juu ya imani. D'autres subirent les moqueries. Bengine balibachekelea. Par la foi. Kwa imani. Ils subirent les moqueries. Balichekelewa. Donc ça c'était une autre facette de la foi. Il est quoi, ce n'est pas la foi telle que vous l'avez appris quand vous étiez dans Tatonto. Ça c'est un autre angle de foi. Parce qu'on vous présente la foi, j'ai toujours été contre cette pensée là qu'on est en train de transmettre. Donc qui apparemment c'est inoffensif, mais c'est en train de s'ancrer dans les gens. Niko na pinga ile mawazo beko na leta sasa zingine haina na nguvu lakini iko naingia ndani ya bantu. C'est comme pour faire comprendre aux gens que tout le monde ici, donc dès que vous croyez la parole de Dieu, vous ne pouvez pas souffrir. Niko sasa vile kusema kama unaingia unaamini neno ya Mungu, unaingia muizini ya miiba mule mchungu kia jamaa. Ndio tolo mwingine anaanza. Ndio anaanza kusema. Et puis il a mis le message. Je vois mes histoires commencent à bien marcher. C'est ça le signe que tu es chrétien. Ça c'est être charnel. Il est quoi qui mouille. Écoutez. C'est qui? D'autres même. Il dit d'autres subir le fouet. Bengine balipi kwa fimbo. Par la foi. Kwa imani. Wesh! Wesh! Caca! Regardez! On a un chrétien qui pleure! Wesh! 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 Jésus lui-même a subi ça. A-t-il pleuré ou il n'avait pas pleuré? Alléluia! Ça faisait mal!
Parce qu'on ne va pas dire que non, dès que tu deviens chrétien, on a un bouclier ou foulani physique, donc habite à mobile. Ça va te faire mal. On frappe là-bas. On t'accouffe, ria. Donc frère, tu ne pleures pas pour nous. Je suis chrétien. J'écris le message. On ne peut pas me voir en train de pleurer. Il faut pleurer pour dégager la douleur. Tu restes toujours chrétien. Et si tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas le fouet qui va faire sortir le Saint-Esprit encore. Ce n'est pas parce que tu as pleuré que tu ne vas plus avoir le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, quand Dieu t'a déjà donné le Saint-Esprit, c'est déjà fini. Il ne peut plus te les ravir. Quand Dieu te sauve, Dieu n'a pas l'habitude de sauver quelqu'un aujourd'hui pour le perdre demain. Dieu ne fait pas ce genre de choses. Il vous a sauvé, ses frères. Si vous êtes sûr d'avoir eu une expérience du Saint-Esprit authentique dans votre vie, vous ne pouvez plus perdre le Saint-Esprit. Même Dieu lui-même ne peut pas vous les ravir. Il est incapable. Vous êtes déjà une partie de lui. Amen. La Bible dit, ils furent lapidés. Est-ce que vous allez dire que parce qu'Étienne avait été lapidé, il n'avait pas la foi? Le fait qu'il a accepté ça, c'est ça l'œuvre de sa foi. Frère Madame dit, cet évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. Pourquoi nous voulons aller au ciel dans la facilité comme ça? Alors que ceux qui ont été avant nous, pour nous offrir l'évangile que nous avons, ils ont subi ça. Amen. Amen. Nous devons être des personnes solides. Pas des gens mous. Il faut quitter la mollesse du nid mondain. Sortez de ces nids-là. Je vais vous lire quelque chose que Frère Branham parle ici. Nos aînés sont passés par des moments difficiles. Ceux qui ont été avant nous, ils sont passés par des moments compliqués. Ils sont morts pour cet évangile. Mais nous, nous voulons aller au ciel étant sur un lit des anges. Mes amis, quel genre de foi qui sera différente de ceux qui sont venus avant nous? Parce que la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes, elle est unique. Seulement qu'elle monte des trempes. Et la foi, nous devons entrer dans la foi dans tous ses aspects. Ça aussi, c'est la troisième main de l'homme, de l'épouse. Quand nous avons parlé de la main qui ouvre la clé, tout ça, nous étions tous debout ici. Oh, amen. Alléluia. C'était très bon, n'est-ce pas? C'était très bon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous parlons de la troisième main dans une autre facette. Et nous devons dire amen à ça. Dites amen fort. C'est la parole de Dieu, ça. Les uns ont été sciés. Et puis, les scies, il n'y avait pas de scie circulaire à l'autre, en ce temps-là, de scie électrique. C'était les scies. Alléluia! Il parle en langue. Amen! Sciés! Par la foi. Torturé. La torture, c'est une chose la plus. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des organismes des Nations Unies qui se lancent dans la lutte contre le droit, donc la violation des droits humains.
Quand on peut pendre quelqu'un comme ça, on commence à lui faire, on lui enlève les dents sans anesthésie. Quand on enlève le on enlève notre dent, deuxième dent, on le frappe, on lui coupe une, on coupe la main, on place la main comme ça, on commence à faire passer les six circulaires là-bas. L'homme est en train de pleurer. Mais à l'époque, comment est-ce qu'on sciait les gens? C'était plus inhumain. On mettait votre tête dans une sorte de cale. La tête passe de l'autre côté. Le corps est de l'autre côté. On laisse un passage ici pour les scies. Et on commence à couper. On commence à couper. Je voyais un documentaire. On parlait de comment un certain roi cruel, comment il était en train de faire souffrir les gens. Si vous avez fait quelque chose qui l'a troublé, qui ne l'a pas plu, il avait fait fabriquer une sorte de bœuf. Donc, Madame Fancher, un bœuf là en métal. Et ce bœuf là, on devait l'ouvrir à l'intérieur. On met quelqu'un là-bas. Et il y avait un petit tuyau qui passait dans la bouche du bœuf. C'était hermétique, donc le bœuf était hermétique. Il n'y avait pas de passage de voix ou quoi que ce soit. Alors, on mettait maintenant le feu dans le ventre du bœuf là. Donc, c'était comme un monument, donc c'est en métal. Il était comme on chauffe le kamundele. On met maintenant le four en dessous là. Le feu commence à chauffer maintenant. L'homme qui est à l'intérieur commence à pleurer. Maintenant, quand il pleure à l'intérieur là, ça fait sortir la voix d'un bœuf. Donc ça sort comme ça et le roi est assis là en train de rire. C'est comme ça qu'il faisait souffrir ces gens, ces bourreaux, ces esclaves. Quand le feu est en train de brûler à l'intérieur, l'homme commence à s'étouffer. Les tortures du feu là, pendant qu'il pleure là, c'est le bœuf qui est en train de et ça lui faisait vraiment du bien. Il y a des gens qu'on a jetés dans les harems, dans les arènes, là où on met, là où il y a les lions. On libère les lions et les gens viennent, les lions viennent manger les humains comme ça. On les déchire et les gens sont là en train d'acclamer. Wow! Wow! Pendant que les autres sont en train de mourir. Ces choses-là se sont faites. Et pour cet évangile, il y a eu des martyrs. Des gens qui sont morts, qui ont versé leur sang. Pour que nous obtenions cet évangile. Mais quel genre de génération nous sommes aujourd'hui? Mou comme ça, mou. On ne peut pas supporter même une petite épreuve. Incapable de supporter. On veut que tout soit facile. Non, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que Jésus a promis. Ce n'est pas le chemin que Jésus a suivi. Vous voulez suivre quel chemin? Vous êtes vraiment bien. Vous vous déplacez dans des voitures. Mais l'épaule et les autres. Dites-moi quelle voiture ils avaient. Vous payez les transports pour venir à l'église. Mais les gens d'autrefois, les gens de Benetiswaka, il n'y a même pas de moto là.
Il faut qu'une seule moto puisse quitter en ville pour aller là-bas. Pour se déplacer. Il faut faire toujours les pieds. J'ai vu une soeur qui quittait une distance, je peux dire, de la Wash jusqu'ici. Une soeur qui était vase. Elle fait les pieds cette distance-là. Chaque matin pour aller à l'église. Parce qu'ils ont culte tôt le matin. À 6 heures juste. Donc, à la mort, gagne 4 heures ou 3 heures. Elle fait les pieds pour aller à l'église. Et même les jours où j'ai quitté pour rentrer ici, je l'ai rencontrée en cours de route. Elle allait à l'église. Mais vous ici, vous savez beaucoup de raisons à donner. Pasteur, comprenez. Vous pensez que quand vous dites au pasteur, le pasteur comprenez, et que le pasteur vous dit ok, vous pensez qu'il est content parce qu'il vous a dit ok. Quelqu'un qui vous dit, moi, je me suis absenté à l'église parce que ce jour-là, je devais payer le loyer de la maison. Il fallait que je m'absente de l'église. Maintenant, imaginez-vous, vous me dites comme ça, j'ai dit, ah, vraiment, frère, vous avez raison. Il fallait vraiment, il ne fallait pas que tu viennes à l'église. Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça sonne bien? Mais frère, quel genre de personnes nous sommes? Pourquoi une telle mollesse? Si notre génération en nous, elle est molle à ce niveau, maintenant celle qui va suivre après nous, ça sera de l'eau. Vous êtes mou comme une pâte. On appuie comme ça, ça part. Dans le... Donc, il est comme une pâte très mou là. Une petite épreuve. Donc, pour vous, il ne faut même pas qu'il y ait d'épreuve. Juste une petite épreuve. Vous cédez à l'épreuve. Amen. Amen. J'ai beaucoup attendu ce travail, pasteur. J'ai beaucoup attendu, vraiment, j'ai cherché même une moto pour rouler. Mais j'ai trouvé maintenant la moto, pasteur. J'ai trouvé la voiture, pasteur. Maintenant, si j'arrête, on va me couper le salaire ou soit on va me ravir la moto. Maintenant que je te dise, ah ok, ok. Ah ok, d'accord. Tu peux commencer à t'absenter à l'église. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Dites-moi la vérité. Si nous réfléchissons de cette façon-là, est-ce que Dieu serait content de ça? Nous devons être de véritables soldats. Pour obtenir quelque chose de grand, il faut sacrifier quelque chose de grand. Dieu ne peut pas nous donner de grandes bénédictions si nous ne sommes pas prêts à sacrifier ce que nous voyons grand qui est devant nous là. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais je dois être prêt même. Oh non, je vais manquer le versement. Oh non, je vais faire ceci. Oh non, mitachinde. Barenda kunishuka annuel. Frère, tu n'étais pas venu à l'église pourquoi? Barenda kunishuka annuel, pasteur. Ah ok, ok, ok. Tu pouvais. C'est normal. Est-ce que c'est normal ça? Quand nous prêchons comme ça, ce n'est pas seulement ce que nous disons ici. Il y a d'autres choses. Ne faut pas attendre qu'on cite tout ça. Soyez capable de développer la parole. Parce que quand vous vous limitez seulement aux exemples que nous donnons, vous êtes un élève limité. Une sorte d'élève qui, lui, il ne s'attend qu'à ce que le professeur lui donne. Non, nous devons être capables de recevoir l'inspiration. On parle de tel exemple, mais moi, dans mon cas, c'est telle chose.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc on parle de tel exemple pour le motard, mais moi je ne suis pas motaz. Motaz. Je suis une sœur. Dans mon cas, il s'agit de Kouhanakouamakal. Voilà, c'est comme ça qu'un chrétien doit faire. Eliezer a dit à Rebecca. Il lui a seulement dit un seul mot. Vous ne pâtiez qu'au maï. Mais Rebecca elle-même a développé cette parole-là. Elle s'est dit, je vais te donner de l'eau. Je vais aussi aller plus loin que ça. Je vais abreuver même ton chameau. Jusqu'à ce qu'elles aient tout bu. Mais nous limitons seulement aux exemples qui sont donnés là. Je n'ai même pas encore lu ce que je voudrais lire. Je suis encore ici à lapider et tout ça. Et j'arrête dans quelques minutes là. Nous allons continuer au milieu de la semaine. La Bible dit ceci. Ils furent torturés. Ils moururent tués par l'épée. Dites amen à la parole, non? Tués par l'épée, ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis. C'était ça leurs habits. Vêtus de peau de brebis. Allez ça et là. Marcher à pied. Manquer à manger. Ça y est, dans tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout ça par la foi. Donc, souvent quand on parle de ces choses, les gens ont l'impression qu'on est en train de leur prêcher la souffrance. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient des souffriers. Mais si tu réfléchis comme ça, tu es encore trop charnel. Je ne veux pas que vous soyez souffriez. Mais tout ce que je veux, c'est que vous puissiez enlever dans votre tête que quand vous devenez chrétien, c'est fini. Non, Dieu va te tester toujours. Il va t'éprouver parce que tu es son fils. Bon, pasteur, imaginez par exemple... Vous commencez à me prêcher. C'est pour que moi je puisse croire à votre incrédulité. Pour que je sois converti à ce que vous dites là. Ou bien c'est moi qui ai quelque chose à vous donner pour que votre foi augmente. Vous commencez à vous m'expliquer, vous donnez même des raisons. Ces raisons-là, je ne suis plus prêt à les écouter. Vous n'avez pas raison. Vous avez tort. Vous avez tort. Vous manquez l'occasion de mettre la parole en pratique avec un prétexte. Avec une raison à donner. Quelle raison? Ce jour-là, Dieu vous le verra un témoin. Frère Branham dit, Dieu ne manque pas de témoins. Savez-vous pourquoi les autres pêchent? Ils vous donnent des raisons. Ils vous disent, je suis en train de faire ces choses parce que je suis célibataire. Je sors avec des filles parce que je suis célibataire et je n'ai pas l'argent pour me marier. Dieu va soulever quelqu'un d'autre qui était célibataire, qui était dans la même contrée et qui n'avait pas l'argent pour se marier, qui n'avait pas d'habit et qui a vécu une vie pure. Il va te dire, cette personne était dans la même époque que toi. Mais il a été pur. Il n'a pas fait ce que toi tu as fait. Va dans le feu de l'enfer. Avec le diable et ses anges. Or, l'enfer n'a pas été fait pour les hommes.
L'enfer a été fait pour le diable et ses anges. Avec ses démons. Mais c'est l'homme lui-même qui s'envoie en enfer par les efforts qu'il conjugue pour aller en enfer. Dénoué de tout. Dénoué de tout. Donc, dénoué de tout. Donc, il n'avait rien. Persécuté. Maltraité. Maltraité. Dénoué de tout. Mais ces gens-là ont continué à espérer et à croire. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Parce que c'est la même voie que nous devons suivre. Tout le monde m'entend là-bas derrière. Sœur fidèle, tu m'entends? Tu m'entends bien? Ok. Et dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Quand nous suivons la voie de Christ, c'est nous-mêmes, personne ne nous a forcé à suivre la voie de Christ. C'est un engagement que nous avons pris. C'est une décision que nous avons prise. Et ayant pris ça, dans l'eau de baptême, nous avons promis à Dieu, je serai fidèle à ta parole. Je payerai mes dîmes régulièrement. Je prierai plusieurs fois par jour. Je gênerai. Je vais m'écarter de tous les anciens amis. Même si les épreuves viennent, je n'abandonnerai pas la foi. Mais ça dit beaucoup. C'est un vœu. Un vœu de fiançailles. Du moment où tu commences à renoncer avec des raisons à donner à Dieu ou au pasteur, tu es en train de commettre adultère. Tu violes le vœu de fidélité que tu avais fait à Jésus. Cette prédication est très importante. C'est pourquoi vous voyez, le diable est en train de combattre ça. Si vous ne tirez pas attention à cause de ma voix ou à cause des instruments, si vous ne tirez pas attention, vous allez manquer quelque chose de très important dans votre vie. Je vais lire une citation par laquelle je vais arrêter. Le prophète dit ceci. Dans les aigles de Dieu, pour ceux qui sont en train de noter, du 3 avril 1960, paragraphe 135, Frère parle de l'aigle. Il dit un peu plus haut là, il dit que l'aigle, la mère aigle, construit son nid. Il prend des morceaux de bois. Il fabrique, il construit avec son bec puissant et ses griffes qui sont puissantes. Et puis il vient prendre les épines. Il engence au milieu de ces bois-là. Et il met, il combine tout ça. Ça entre un peu à l'intérieur du nid. Ensuite, il va prendre un peu d'herbe. Il étale là-bas. Puis il va aller prendre la mousse, les poils des animaux qu'il a tués. Il construit une mousse. Il étale cette mousse là, donc il étale la mousse pour que ça soit respirant. Et il étale cela à l'intérieur du nid. Il commence à pondre ses œufs. Il pond ses œufs. Et après un moment, quand les œufs ont éclos, les petits enfants qui sont encore des bébés, ils sont sur un terrain ou sur une surface molle. C'est vraiment mou. Comme quand vous êtes sur votre mousse. C'est mou, ça respire, c'est vraiment bien.
C'est tellement mou là. Ça vous berce. Sœur Charlie est en train d'être bercé dans le sommeil. Tu dors. Tu dormais. Hein? Ou bien tu es incliné. Tu es incliné. Amen. Et pendant que les enfants sont en train de grandir, ils n'ont pas encore de plumes, beaucoup de plumes sur le corps. Ils doivent être dans ces conditions-là. Parce qu'ils sont encore faibles, vulnérables. Et après un moment, les enfants commencent à faire sortir un peu de plumes. Les ailes commencent à devenir un peu beaucoup plus compactées. Et puis, frère Banam dit, la mère règle, quand il voit que les enfants ont atteint la maturité, quand il voit que ses enfants sont maintenant capables de s'envoler, ils ont développé les ailes suffisantes pour s'envoler. Alors, il s'approche d'eux. Il se tient à l'entrée du nid. Il étale ses ailes. Il gonfle ses ailes. Il leur montre combien il est majestueux. Pour qu'ils puissent croire en lui. Il fait ça pour que les petits aiglons puissent croire dans leurs mains. Et c'est ce que Dieu fait. Il se tient à l'entrée de ces nids-là. Il montre sa majestuosité. Il montre combien il est puissant. Il nous montre sa puissance. Il nous montre sa capacité. Il nous démontre combien il est capable de guérir. Il présente des appâts. Il montre qu'il est grand parce qu'il veut que nous ayons confiance en lui. Quand il a déjà accompli ses miracles, il vous a montré combien il est fort. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez déjà foi en lui. Vous avez déjà confiance en lui. La chose suivante, c'est l'épreuve. Frère Banam dit, ainsi cette mère est bien déterminée à faire en sorte que les petits aiglons ne deviennent pas des poulets. Parce que ce sont des aiglons. Ils sont destinés à voler dans les hôtels. Ce ne sont pas des poulets dans la basse-cour. Non, ce sont des aiglons. Ils ont les ailes, c'est pour voler. Alors frère Banam dit, il est déterminé. Et notre mère règle, c'est le Seigneur. Il est appelé l'aigle Jéhovah. Frère Banam dit, il est aussi appelé papa aigle. Ensuite, il est aussi maman aigle. Il nous a démontré sa puissance. Maintenant, il doit prouver notre foi. Il doit éprouver notre foi. Et nous devons prouver notre foi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient à l'entrée du nid. Il commence à souffler très fort avec ses ailes. Il souffle jusqu'à ce que toutes les poils qu'il avait mis comme mousse là, ça commence à sortir. Et les enfants sont là, maman. Il souffle, il souffle. Tout ce qui était à l'intérieur, tout ce qui protégeait le corps, tout ce qui était mou, tout ça sort. Et qu'est-ce qui reste là-bas? Ce sont les épines qui commencent à faire que les enfants ne se sentent plus à l'aise dans les lits. Il fait comme ça, hey. Et ça lui fait mal. C'est pour qu'il puisse être dégoûté de cette mollesse. Qu'il soit dégoûté de ces nids-là. C'est pourquoi mon message ce matin, quitter la mollesse du nid mondain. Ce n'est plus le temps de la mollesse. Ce n'est plus le temps de vous dorloter.
Ce n'est plus le temps de vous cajoler. C'est le temps de vous dire la vérité en face. C'est le temps de vous dire. Les autres sont partis. Qu'est-ce que vous vous attendez? Amen. 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 Frère Branham me dit, maintenant ces enfants-là ne seront plus à l'aise dans les nids. Dieu ne veut plus que nous soyons à l'aise dans la mollesse. Des gens qui cèdent à des petites pressions, des petits du rien du tout. Pour obtenir l'argent, il est prêt à mentir. Dès qu'il se tient là, on lui pose la question. Il est dans une pression. Oui ou non? Oui. Mais le cœur lui dit, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Non. Sortez de ce nid-là. C'est ni là où on doit vous protéger. C'est ni là où on doit vous apporter tout à manger. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, on parle à un certain âge de l'église. On lui dit, c'est que je suis, c'est Dieu qui donne des éloges. Il dit, c'est pourquoi je suis content. Ce qui me réjouit chez toi, c'est que tu habites là où se trouve le trône même de Satan. Mais tu résistes. Il y a des chrétiens qui veulent qu'on les mette juste dans une clôture. Donc qui cherchent à ce qu'on puisse les enfermer dans une clôture. Où il n'y a pas de femmes nues qui passent. Où il n'y a pas de vol. Où il n'y a pas de péché. Ou bien on l'enlève ici, on part le placer sur notre planète. Ou dans une île quelque part. Ou là où il n'y a pas de péché. Pour qu'il ne puisse pas pécher. Non, mais pour prouver que vous êtes chrétien, soyez en face du péché, ne péchez pas. C'est ça l'épreuve. Dieu doit t'éprouver. Et il faut que tu fasses preuve. Que tu as la foi. Pour que nous puissions voir aussi. Et nous rendre compte de ça. Il y a des gens qui pêchent. Qui ne pêchent pas. Pas parce qu'ils craignent la parole. Mais ils ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pêcher. Trouvez-vous comme Joseph. Joseph, son épreuve à lui, ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'était pas le manque d'argent. Là où il était, là, il était chef de tout ça. Il était chef. Il mangeait bien. Il s'habillait bien. Il gouvernait les biens de Potiphar. Mais son épreuve à lui, c'était la femme. Trouvez-vous face à une femme qui vous réclame vous. Une femme qui vous réclame. C'est là qu'on va voir combien tu vas être chrétien. Ça aussi, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Frère Branham dit, c'est la dernière citation que j'ai lue. Dit, savez-vous maintenant ce qu'elle va faire? Après s'être montré fièrement à ses petits sur son nid, elle leur dit, regardez mes chers petits. Après avoir vu combien j'étais grand, vous allez apprendre à me croire. Je m'en vais pour prendre quelque part. Pour prendre quelque part où vous pourrez croire en moi. Mais après quelques jours, il y aura de nouveau du changement. Tant que le nid était douillé, ses aiglons ne pouvaient pas les quitter, c'est évident. Donc ils allaient toujours aimer être là, être supportés.
C'est comme le Salomon de Kinshasa. Il va faire, il a 40 ans, 45 ans. Il dort toujours au salon chez eux, à la maison. Il part, il joue les dames, il revient à la maison. Il a déjà des enfants partout. Célibataire avec autant d'enfants. Il ne veut pas se débrouiller. Il ne fait que jouer et suivre les malèches. Il revient le soir, il trouve, on lui a déjà préparé à manger. Il mange la nuit, il dort au salon. Les Salomon. Mais il faut les chasser de la maison. Pour qu'il soit solide. Qu'il soit un homme. Pas un homme mou. Une femmelette. Qui s'appelle aussi homme parce qu'il prend des poids. Il fait des exercices. Et il marche là-bas. Non, tu n'es qu'une sorte de brute. Madame dit, ce corps ici, c'est une brute. Tout simplement, une viande. Ça pèse moins de 1 dollar. 84 centimes. Ça coûte combien? Hein? Et tu es là, tu penses que tu es un homme. Frère Banam a dit, pour connaître un homme, regardez les callosités dans ses genoux. Voilà ce qu'est un homme. Combien d'heures il reste dans la prière? Combien de temps il reste à genoux? C'est ça ce qui fait l'homme. Mais tes genoux à toi sont fléchis devant Facebook. Vous pouvez faire 4 heures. Vous êtes toujours là sur Facebook. En train de monter, de descendre, de regarder les vidéos jusqu'à ce que tous les messages et les publications cessent. C'est vrai. Tu es toujours là sur les réseaux sociaux. Tout ton temps, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Tu es dans Instagram. Tu es dans TikTok. Tu es dans YouTube. Tu es dans Facebook. Tu es dans Chat. Tu es dans Twitter. Dès que tu prends le téléphone le matin, il y a beaucoup de messages. Tu dois commencer à enlever tous ces verres-là. Il faut que tu lises tous ces messages. C'est une distraction. Sois un homme, frère. Là, tu es dans la mollesse. Ça, c'est la mollesse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez continuer. Moi, je dois partir apporter la parole là où je vous avais dit.